compter. Et on va terminer avec ce très beau travail que vous avez fait, Daniel Héribon, sur Michel Foucault. Donc une biographie de Michel Foucault qui est mort il y a 5 ans. Est-ce que vous l'avez bien connu vous-même? Oui, je l'ai connu comme Gilles Lapouge avec Lacan, je l'ai connu dans mes fonctions, enfin d'abord dans mes fonctions journalistiques. Je l'avais rencontré en 79, je crois, puis on est devenus amis. Je l'ai en effet bien connu dans les 5 dernières années de sa vie. Et puis surtout, vous connaissiez très bien Georges Dumézil, à qui vous avez consacré un livre qui était... C'est Foucault qui m'avait présenté Dumézil. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un peu étonnant de penser que Dumézil, d'abord il y a une différence d'âge entre eux, ils étaient deux grands amis. Ah oui, c'est une... des gens m'ont dit en lisant mon livre, est-ce que tu n'exagères pas l'amitié entre Dumézil et Foucault? Et ça, je me souviens très bien, et d'avoir entendu Foucault et Dumézil, tous les deux, dire que vraiment, ils se voyaient tout le temps, se téléphonaient sans arrêt, à chaque étape cruciale. Quand j'ai commencé ce livre, Dumézil m'a beaucoup donné de renseignements. Et en effet, à chaque étape cruciale de sa carrière, Foucault a été aidé par Dumézil, qui était une sorte d'ombre tutélaire qu'il... Didier Héribon, on apprend 1000 choses dans votre livre, et surtout sur les débuts de Michel Foucault qu'on ne connaît pas bien. Et ce qui est curieux, c'est qu'il était professeur au Collège de France, c'était un grand philosophe, beaucoup de succès auprès des livres, philosophe de réputation internationale, et en même temps... On peut dire qu'il a fini sa vie comme d'autres la commencent, c'est-à-dire qu'il était devenu, depuis 68-69, un militant gauchiste, pétitionnaire, défilant dans la rue, etc. Et alors, on pouvait penser qu'il avait été un jeune homme turbulent. Or, pas du tout. C'est vrai qu'on, le Foucault qu'on connaît, c'est le Foucault gauchiste de l'après 68. Et en fait, quand vous dites que vous avez appris tout ça, moi je l'ai appris aussi en faisant mon enquête pour faire ce livre. J'allais de surprise en surprise. Et en effet, Foucault avant 68 a été un jeune homme très sage, ensuite un étudiant très, travailleur et qui même faisait rire ses camarades. Ah oui, attendez, parce que là je vous arrête. C'est pas tout à fait vrai. Vous montrez quand il est un normal supérieur, il est même assez détesté de ses conditions. Oui. Sardonique. Oui. Il est presque unanimement détesté, sauf de quelques personnes avec qui il a des amitiés passionnées. Et c'est quelqu'un qui suscitait, dans ces années-là, haine ou l'amitié passionnée. Oui, vous le montrez solitaire, agressif, suicidaire même. Oui. Il fait une tentative de suicide essentiellement en 48. Mais sans doute il y en a eu d'autres d'après ce que m'ont dit mais moins sérieuses. Et puis en effet il était très très isolé, très très sarcastique. Et pourquoi? Je crois qu'il était très mal dans sa peau, je crois que le génie le génie isole. Pourquoi? Parce qu'il se sentait à part, et s'il n'était pas à part, il n'aurait pas fait l'œuvre qu'il a faite. Il y a aussi une raison, moi je ne suis pas comme M. Zeffirelli, je crois qu'on peut en parler très honnêtement. Je crois que dans les années 45-50, il devait être très 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 difficile de vivre son homosexualité. Et vous aviez reçu il y a quelques mois Dominique Fernandez qui raconte ça très très bien, puisqu'il avait à peu près le même âge que Foucault, il était à Normal Sup presque en même temps, et qui raconte ça très très bien, comment il était vraiment épouvantablement difficile de vivre son homosexualité. Dans ces années-là, et Foucault a vécu ça dans la honte, dans la faute, dans le drame, et les tentatives de suicide, la tentative de suicide, en tout cas le médecin de l'école normale me l'a expliqué comme ça, sans vouloir me donner de détails, puisqu'il y a le secret médical, mais c'est l'explication qu'il donne. Et toute sa vie, Foucault a été, j'allais dire, torturé par la difficulté de vivre son homosexualité. Et le Foucault différent qu'on connaît après 69, c'est aussi peut-être parce qu'à partir de 69, il était beaucoup plus facile de... Oui, mais il change. Entre ce jeune homme un peu solitaire et agressif et puis le militant gaucher d'affaires, il y a une autre époque où vous nous montrez presque un dandy, quelqu'un qui... Un dandy, oui, il a une Jaguar, en Suède, il a une Jaguar, je publie la photo d'ailleurs, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais j'ai réussi, quelqu'un me l'a donné, et parce que j'avais du mal à croire à cette Jaguar, et la photo est stupéfiante, parce qu'on voit en effet une énorme Jaguar, un jour d'ailleurs, il a un accident avec Georges Dumézil, parce qu'évidemment, à Uppsala, les routes étaient glacées, et il met Georges Dumézil dans le fossé en voiture, et ensuite, il se retrouve en France à Clermont-Ferrand, puisqu'il est nommé à Clermont-Ferrand comme professeur de psychologie. Et effectivement, tout le monde le décrit comme un dandy. Il était en cape de l'Oden vert, avec un chapeau de l'Oden. Et vous avez même découvert autre chose qui est plus stupéfiant, c'est son rôle
au ministère de l'Éducation nationale. Alors ça, c'est une chose que j'ignorais totalement. Et quand on m'a dit ça, j'avais du mal à le croire. Et comme, enfin, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver ces documents, c'est-à-dire les procès-verbaux de la commission de réforme Fouché. Et Foucault avait été nommé par le ministre Christian Fouché, parce qu'un des conseillers techniques de Christian Fouché, qui est ministre de l'Éducation nationale du général de Gaulle dans les années, au début des années 60, et qui sera d'ailleurs ministre de l'Intérieur pendant mai 68, Christian Fouché demande à Michel Foucault de participer à la commission d'élaboration de la réforme de l'enseignement supérieur. Et Foucault participe à toutes les commissions, je cite les procès-verbaux, et même écrit des documents, des textes préparatoires à ces travaux de commission sur la réforme de la thèse, la réforme de l'agrégation, et une participation tout à fait assidue, ce qui est assez étonnant quand on sait que on a dit que la réforme Fouché avait été le déclencheur de mai 68. Est-ce qu'il est important de savoir que son père, il est né à Poitiers, Foucault, oui. Son père était chirurgien. C'était un grand chirurgien. C'est assez important parce que, d'abord parce qu'il a fait un livre qui s'appelle Le Naissance de la clinique, un livre sur la médecine, les catégories médicales, la médecine moderne, l'institution hospitalière, que certains considèrent comme un de ses plus beaux livres, un de ses plus grands livres. Et effectivement, c'est une sorte de ce livre. Paraît en 1963, c'est-à-dire 4 ans après la mort de son père, et on peut, sans vouloir me substituer à un psychanalyste, on peut dire qu'en effet c'est une manière de régler un compte avec ce père qu'il, je crois, il avait détesté pendant toute son adolescence. Il avait porté son nom, son père, oui, Paul Foucault. Voilà, c'est une chose assez étonnante, c'est que dans la famille, les enfants portent toujours le nom du, dans la famille Foucault, et donc il s'appelle Paul Foucault. Et sa mère, qui ne voulait pas s'en mêler dans les prénoms, lui avait adjoint Paul Michel Foucault. Et il a renoncé à s'appeler Paul Foucault. Et tous les documents sur sa scolarité jusqu'à Normale Sup portent le nom Paul Foucault. Et puis un beau jour, ça change et il devient Michel Foucault. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'après Normale, il y a quand même une très longue période durant laquelle il n'est plus du tout en France. Il est partout. Oui, c'est il une est sorte... en Suède, il est, je ne sais où, je parlais de Pologne, oui, je parlais de son mal d'être tout à l'heure. Parce que là, il n'y a pas aussi une espèce de fuite Oui, c'est un exil volontaire, tout à fait. Oui. Il veut quitter la France, il part en Suède, il reste 3 ans donc, dans l'hiver d'Uppsala, dans la nuit d'Uppsala, parce qu'en Suède, la nuit tombe à 2 heures de l'après-midi. C'est une des raisons pour lesquelles il part, d'ailleurs. Il est lecteur de français, il va ensuite à Varsovie et à Hambourg. Et quand il rentre en France, il n'a qu'une envie, c'est de repartir. Il est sur le point de partir à Tokyo pour diriger l'Institut culturel français, mais il reste parce qu'il a un conflit à l'Université de Clermont. Quel est le livre qui lui apporte, on peut dire, la renommée? Ah, c'est Les mots et les choses, incontestablement. Quand même avant, quand même, si. Les mots et les choses, oui, c'est oui, son mais livre. Pas la renommée avant, c'était l'estime de certains cercles. Oui, mais ça. Les voilà. Mots et les choses, c'est vraiment la renommée. Avant 66, lui-même d'ailleurs se plaindra beaucoup, dans les années 75, se plaindra beaucoup de l'absence d'accueil qui avait été fait à son premier grand livre, qui était L'histoire de la folie, sa thèse. Et c'est vrai qu'il avait eu un article de Fernand Braudel, un article de Roland Barthes, un article de Michel Serres. Des gens qui aimeraient bien avoir un manque d'accueil de ce genre, mais c'est vrai que la grande renommée et la renommée publique, c'est Les mots et les choses, et bizarrement parce que c'est un livre extrêmement difficile à lire. Donc Michel Foucault est passé à Fosse, n'est pas très difficile. C'était le 17 décembre 1976, il n'avait pas voulu d'ailleurs parler mais il était venu pour parler d'un autre livre. Des dissidents soviétiques. Voilà, des dissidents soviétiques, et voilà, on va l'écouter pendant une minute et demie, c'était la fin de l'émission. Il y a 10 ans, Michel Foucault, vous publiez Les mots et les choses. Et il y a juste 10 ans, et vous écriviez l'homme, c'est peut-être une bonne fin non pour l'émission, parce que c'est la fin. L'homme n'est pas le plus vieux problème ni le plus constant qui soit posé au savoir humain. Et il ajoutait, il faudrait lire évidemment toute la page, mais enfin, l'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente et peut-être la fin prochaine. Oui, parce qu'il m'a semblé en effet que le moment où l'homme avait commencé à devenir un problème à la fois philosophique, mais également technique, politique, économique pour lui-même, ce moment n'était pas aussi ancien qu'on pouvait l'imaginer. Bon, bien sûr, il y a les fameuses et traditionnelles questions que nous connaissons. Si vous voulez, moi je crois qu'à partir d'un certain moment qu'on peut situer entre la fin du XVIe siècle et le début du XIXe, il s'est passé un phénomène important tout de même, c'est que l'homme a cessé d'être immédiatement dominé par les grandes menaces de la mort.
c'est-à-dire par les menaces des épidémies, des famines, les formidables ravages de la mortalité infantile, et que l'homme a en quelque sorte disposé les sociétés humaines. Je parle uniquement d'ailleurs de l'Occident, mais c'est là où les choses se sont nouées, que les sociétés occidentales ont commencé à disposer d'une espèce de marge de survie, à partir duquel l'homme est devenu relativement disponible par rapport à ces urgences fondamentales ou à ces grandes menaces de la mort qui avaient traversé son histoire jusque-là. Et alors c'est à partir de ce moment-là qu'il a fallu en quelque sorte à la fois utiliser et mettre en question, essayer de problématiser l'homme en tant qu'il pouvait être disponible. D'où la question, qu'est-ce qu'on va en faire, comment appliquer cet individu à la croissance des forces productives, comment le discipliner, comment construire des grands corps politiques, etc. Et je crois qu'on a eu là toute une technologie de l'homme qui s'est développée à partir de ce moment-là, qui est la question de l'homme. Est-ce que cette question durera autant que l'humanité peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Oui, bah, on va terminer. C'était une émission qui avait été enregistrée au Louvre. Alors, bien entendu, Didier Ribon, l'émission, malheureusement, elle se termine. C'est que on trouvera dans votre livre tous les rapports parfois conflictuels avec les grands, les autres grands de la pensée, avec Sartre, avec Lacan. Ben tiens, Lacan, on pourrait dire deux mots sur Lacan, des rapports. Il a été très influencé par Lacan et son livre Les mots et les choses est placé sous l'invocation de Lacan. Oui. Et par la suite, dix ans après, le livre pour lequel vous l'aviez invité en 76, c'est-à-dire La volonté de savoir, est un livre écrit presque entièrement contre Lacan. Donc il y a un basculement, si vous voulez, de la pensée de Foucault. Mais même avec Sartre aussi. Avec Sartre, oui. En 66, quand sortent Les mots et les choses, Sartre dit Michel Foucault, c'est le dernier barrage que la bourgeoisie érige contre l'avancée du marxisme, ce qui est assez surprenant. Et cinq ans après, et même trois ans après, dès 69, ils sont à la même tribune, à la mutualité, pour fendre l'irruption de la police à Vincennes. Et puis deux ans après, en 71, ils sont au coude à coude dans les manifestations. Il y avait Caron. Avec Aron, alors là, la fille de Raymond Aron a eu la gentillesse de me donner, que je publie d'ailleurs, la correspondance entre Michel Foucault et Raymond Aron, et qui est une correspondance tout à fait surprenante, parce qu'on imaginait deux blocs de haine entre ces deux hommes. Oui. Et en fait, Raymond Aron invite Foucault à son séminaire, en 67, Foucault y va, tout se passe très bien, et il semble même que Raymond Aron essaie, parce que Foucault était candidat à la Sorbonne, et ne peut pas être élu à la Sorbonne, il y a un barrage, et il semble même que Aron était favorable, lui, à la candidature de Foucault à la Sorbonne. Il devait être un des rares avec Georges Canguilhem. C'est un livre bourré de révélations. Ah, oui. Hein, vraiment. Pas seulement sur la vie de Foucault, mais sur le mouvement intellectuel depuis 30 ans.